Le 100 une fois, qui dit mieux? Une chair à 300. Aujourd'hui, je remplace Don. C'est un gros défi. Don a un style classique. Moi, je suis plus agressif. C'est ma signature. Et je vais le donner à fond aujourd'hui. On est à Mississauga. Il y a du fric ici. Aujourd'hui, c'est Patrick Packer. Je l'adore. On est sympa avec tous les commissaires priseurs. C'est important. Il a un style particulier, mais c'est un type super. Patrick en énerve certains, comme Roy. Il faut respecter le commissaire priseur, sinon, il ne te respecte pas. Exact. Ça va être une bonne journée. Mississauga, c'est chez moi. Les autres enchères et sœurs n'ont qu'à bien se tenir. Je vais leur montrer qui est le patron. Je les plains s'ils s'imaginent qu'ils vont acheter quelque chose chez moi. J'ai apporté mon porte-bonheur. Il appartenait à mon père. Ce sont des perles de concentration. J'ai pas de chance ces derniers temps. Aujourd'hui, je vais penser à mon père. Il fréquentait ces ventes. Je voudrais faire appel à son sixième sens pour acheter des bosses. Et ça va très bien avec ma tenue. Maintenant que je suis associé, on doit tous les deux bien présenter, bien le sentir et bien enchérir. J'ai beaucoup réfléchi à notre stratégie et je pense que le style de mon père ne colle pas. Allez papa, on y va. Je ne sortirai pas. Ça pourrait être que mieux. Garde mon chapeau. Non. Voilà, c'est parfait. Oh, une dernière chose. En route. Je ne vois pas comment tout ce gel peut m'aider à réfléchir. On doit gagner de l'argent. On s'habille pour réussir. Je le fais? Je le fais. Bonjour, ça va? Ça va, Patrick. C'est qui celui-là? Hey, Patrick Packer, content de te voir. Les bons acheteurs savent qu'il faut mettre les commissaires priseurs dans sa poche. Je me suis pris la tête avec lui. Packer et moi, ça fait deux. Salut, ça va? Peut-être parce qu'il est petit. Aïe! C'est une demi-portion. Il énerve toujours le commissaire priseur. Vous avez l'air sérieux. On est des pros maintenant. Le chapeau lui allait mieux. Vous voyez pas sa tête. C'est clair. Patrick Packer, votre commissaire priseur. Avant de commencer... Répète ton nom un peu. Packer, compris? Pas facile à porter. Roy n'y est pas allé de ma morte. Comme Woody Woodpecker. Roy va pas être tendre avec lui. On va l'aider. Autant que possible. Il faut qu'on le protège. Avant de commencer, un rappel des règles. On va entrer, casser le cadenas et vous aurez 5 minutes pour regarder. Vous ne touchez à rien. Vous n'allez pas à l'intérieur. Celui qui a le plus d'argent dans les poches peut gagner aujourd'hui. Vous êtes prêts? Oui. On y va. C'est quoi ces perles? Mon père achetait des box. C'est un objet qu'il avait toujours sur lui. Moi, mon père me donne rien. Je te fais cadeau de la sagesse. Ce sont de beaux objets, c'est du sérieux. Très bien, voyons ça. Un canapé en sky, pas en bon état. Un sac de vêtements, un surf des neiges. Pas assez de trucs pour moi, non. Un canapé. Il y a un surf sympa, une table de poker. Je me sens pas chanceux sans mon chapeau. Très bien, j'en chérirai. J'aimerais trouver un box avec des habits qui sont pas comme cela. Des meubles, une télé. C'est un box sympa. J'aurais dû prendre ma torche. Elle est un peu... comment dire? Oui, c'est une petite torche. Très petite. Je devrais la baptiser Eric? Non. Appelle-la Roy. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les boîtes. On verra. Allez, on y va. Qui veut commencer à 300? 200. Oui. 200. Oui. 100. Oui. Je suis là. Tu dis quoi, 300 dollars? Ce crétin ne prend pas mon enchère. J'enchéris. D'accord, 100 dollars, c'est oui. Ouais. Une enchère à 100, qui dit mieux? Ici. 125, 150. Ouais. Les gamins se font toujours remarquer quand il y a un remplaçant. 150, qui dit mieux? Oui. Ici. Maintenant, 175, pourquoi pas 200? Oui. J'enchéris sur le box. Combien? 250, maintenant 300. Ici. 300, qui dit mieux, monsieur? 325.
Ce box n'en vaut pas la peine. Disons 350. Oui, 350. 350 une fois. 350 deux fois. Adjugé. Bien. Les rois du canapé. Le roi et la patate du canapé. On achète avec panache. Attendez, il m'a appelé patate. Jetez un œil rapidement. J'ai envie d'enchaîner, OK? Wow. Wow. On n'a jamais assez de vitrines. Je veux en voir plus. Il y a un billard sympa, un distributeur de boissons, plein de trucs bien. Il y a des distributeurs automatiques à 85 centimes la boisson. Et la table est pas mal, sans plus. Non, attends, éclaire-moi le coin. Il y a un distributeur de boissons, une vitrine, des vélos, une table de cuisine. Pas mal. C'est le genre de box que mon père achetait. On va voir comment ça se passe. Allez, on y va. Qui se lance? Combien? $100. 100. Maintenant, 150. Qui dit mieux? 150. Qui monte à 200? 200 ici. Qui dit 250? Une enchère à 250. Maintenant, 300. Qui monte à 300? Et l'artiste, tu m'entends cette fois? 250. Oui. 275. 300 maintenant. 350. Mais je veux pas de ce box. 350. 300. Qui dit mieux? Maintenant, 350. Qui pour 350? Quelqu'un va bien m'en débarrasser. 300 une fois. Vous y allez? Une enchère à 325. J'ai eu chaud. $350. Maintenant, 375. Qui pour 375? Qui l'a eu? J'ai une enchère à 375. Maintenant, 400. Qui se lance à 400? 375 une fois. 375 deux fois. Adjugé à 375. Je l'ai pas acheté. $375, Roy. J'ai pas enchéri. 375, Roy. 375. Allez, allez, allez. Tout à fait. J'ai jamais dit que je le voulais. Je dois 375. N'importe quoi. Tu veux jouer à ce jeu? J'en voulais pas. J'ai jamais dit 375. Ça ne se fait pas. Je suis bien d'accord. Tu me dois 375. Il est adjugé. Tu me dois 375. Je vais te les donner, mais j'ai pas en chéri. Parfait. 375, d'accord? Merci beaucoup. C'est réglé. Oh, il s'est fait avoir. La prochaine fois, je bougerai la tête. C'est ça, ouais. Abruti. Allez, les amis, approchez-vous. Il y a une boîte à outils. Mon père adorait les outils. Je vais consulter les perles. J'ai un bon pressentiment. Je vais en chérir. C'est un bon petit box. Il y a des caisses et une boîte à outils. C'est quoi là-dedans? Hey! Dehors. C'était pour voir si tu suivais. Dehors. Sors de là. Personne ne rentre dans ce box. Vous connaissez les règles. Roy, attention. Bien dit. Personne n'entre dans les box. Personne. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas que leur problème d'inventaire devienne notre problème. Je sais pas. Tu vois quelque chose? Je rigole. Déride-toi un peu. Trop de cochonneries pour moi. Pas question. Allez, la vente va commencer. Regardez-moi bien. C'est parti. Mise à prix $25. Qui se lance à $25? $25 ici, $50 maintenant. 75, 75 pour Ursula. Ça monte pas beaucoup. Hey, vous êtes avec moi? Oui, oui, oui. $100? C'est en façon. Vous pourriez, vu le bruit que vous faites. Bon, qui monte à $100? $100. Une enchère à 100, maintenant 110. Oui. 110 maintenant, 120, une enchère à 120, 150. $150, maintenant 160, vous suivez? Sans moi. Entendu, j'ai donc une enchère à 150. 150 une fois, 150 deux fois. Adjugé pour Ursula à $150. Et voilà le travail. Bien, voilà, les enchères sont terminées, vous payez, vous partez. Patrick Pecker se prend pour un as des enchères. Mais c'est un blanc bec de première. Quel cauchemar. Je suis dégoûté. On repart bredouille. Ça craint. Demain est un autre jour, t'en fais pas. Les fous ne nous rendront pas plus fous. Mon premier box sans mon chapeau porte-bonheur, pourvu que ça nous parte pas la poisse. D'accord, monsieur Cravate, ouvre le box. C'est un canapé. Il est lourd. Parfait pour toi. Non, 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 non. L'élégance ne porte pas, l'élégance pense. Ce changement de look a des avantages. Cette boîte ne contient rien d'intéressant. De la paperasse et Photoshop pour les nuls.
Et t'as pas des vêtements pour les nuls? Je peux rien faire dans ces vêtements. Et le pire, comme je t'ai dit, c'est que j'entends mes cheveux. C'est hyper désagréable. C'est pas une couleur pour un homme. Je fais tâche dans ce box. Voyons ça. Encore des livres? Non, des dossiers. Encore mieux. Oh. Je peux t'expédier hors d'ici? Je peux expédier cette chemise hors d'ici? Je peux me changer? Non. Ce carton vaut rien. Stylo, crayon, brosse à dents, rien. Les petites boîtes, c'est toujours bien. On dirait une boîte à bijoux. Regarde, c'est un vieux stylo à plumes. Combien, à ton avis? Je dirais dans les $50. Cette table peut valoir une fortune. Ok, on joue au blackjack? Pas du tout, c'est une table de poker pliant. $50. Ça marche, pourvu qu'il soit rempli d'or. 1, 2, 3. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est grand, c'est jaune. Mais c'est quoi? Et ça? Fais voir. On dirait un truc pour le mal de dos. Oh, c'est un kitesurf. Non! Oh, et voilà la voile et la planche! C'est l'ensemble complet et il est en bon état. On va le faire estimer. Je suis d'accord. Qui va vérifier s'il marche? Je suis pas ton cobaye. Je le ferai si j'ai plus jamais à porter cette chemise et cette cravate. J'espère que les perles m'ont porté chance. Mon père me disait souvent, n'aie pas peur des sacs. Et quand tu achètes un box, s'il est poussiéreux, ne t'en fais pas non plus. Je crains le pire s'il y avait un cadavre là-dedans. Parfois, je me dis que ce serait bien d'avoir un masque à gaz pour ne pas respirer la poussière. C'est quoi ça? Oh non. C'est drôle. Merci, papa. Un masque à gaz. La vache, dégueu. Un cafard. Roy, je t'avais pas reconnu sans ton chapeau. C'est quoi? Une sorte d'outil. Un masque de soudeur. La vitre est fêlée. Ça vaut pas un clou. Voyons ça. Oh non! C'est un matelas en mousse. C'est horrible. Oh, that's nasty. Oh, gross. Dégoûtant. Nasty. Ça, c'est la boîte que j'avais repérée. Il y a un marteau, un jeu de clés. C'est quoi cette boîte? Oh, visez un peu. Un kit de réparation. Mon père aurait adoré ça. Je dirais $60. Pas mal. Une bonne meuleuse, au moins $25. Des lunettes de protection neuves, $10. Regardez, une belle perceuse, elle est complète. $40. Mon père serait fier, il aurait acheté ce box. Une jolie boîte à sandwich, très ancienne. Rien dedans. Mais elle est sympa. Une autre boîte ancienne, regardez. Joli. J'espère qu'il y a des outils dedans. On va voir. Je sais pas trop ce que c'est. Je m'y connais en outils, mais ça, je connais pas. J'ai besoin d'une estimation. Je sais exactement qui m'adresser. Maintenant, faut que je range tout. Merci, papa. J'hallucine que ce blanc bec m'ait refourgué ce box. J'ai arrêté d'enchérir à $300, mais bon, 375, ça reste une affaire. Visez ça, il y a plein d'argent. Des vélos neufs, facile, $100 chacun. Je l'ai acheté pour ce billard. Oh là là, c'est pas un billard. Regardez la finesse du bois, c'est de la qualité. Au moins $1000. Et toc, blanc bec. Regardez ces vitrines. Celles-ci, 300 chacune. Et celle-là, 200. 800 en tout pour les vitrines. Vache, un distributeur automatique. Quelqu'un pourrait m'acheter ça à $200. Deux chaises. Oh, j'y crois pas. Des distributeurs de confiserie.
4 en tout. Il y a peut-être encore de l'argent dedans. J'ai un bol en ce moment. Jackpot! Ils ont voulu me refourguer un box pourri, et en fait, c'est de l'or en barre. Par ici, la monnaie! Bon sang, j'adore mon boulot. Maintenant, il faut que je les fasse estimer. La cerise sur le gâteau. Ce box va me rapporter au moins 2 000 $. Une super journée. Je nage dans le pognon. J'hallucine. Mon père disait que les outils avaient de la valeur. Mais il m'a jamais parlé des outils anciens. Je vais voir mon ami Merv. Il est forgeron. Il s'y connaît. Les outils, c'est son truc. Et en plus, il est plutôt sexy. Salut Merv. Ursula, ça va? Très bien. Content de te voir. Moi aussi. J'espère que je te dérange pas. Je voudrais que tu me donnes ton avis sur certains trucs. Tu t'es habillée pour l'occasion? Oui, j'ai essayé. À Rome, on fait comme les Romains. T'as 350 paires, mais pas de chaussures de chantier? Eh bien, tu sais? C'est joli. C'est ce que t'as acheté? Je sais pas si ça a de la valeur. Mais j'ai pensé que tu saurais me dire. Une boîte à sandwich. Quelle époque, à ton avis? Années 30, peut-être. Tu te rappelles cette photo d'ouvrier déjeunant sur un chantier? Oui. Elle est très connue. C'est le genre de boîte qu'ils avaient. Une autre boîte à sandwich? Non, c'est une boîte à forêt. Ils les rangeaient là-dedans. Un objet de collection? Oui, tu penses. C'est surtout ça que je voulais te montrer. Ah oui, des clés à mâchoire. Assez anciennes, non? Les forgerons les utilisaient. Quand une grue porte une poutre, tu te sers de la partie pointue pour aligner les trous et éviter de te couper un doigt. Tu t'es déjà servi de ça? Jamais. Tu veux essayer? Pourquoi pas? Je suis ouverte à tout. On va grimper, Ursula. C'est pas vrai. La tuile, j'ai le vertige. Oh non. Oh la vache. Oh mon Dieu, je sais pas comment vous faites. Tu peux le faire. Regarde. Non, j'y arriverai pas. Oh là là. Je crois que je vais vomir. Tout ça pour essayer une clé? Heureusement que je n'ai pas trouvé un parachute ou un instrument de coloscopie. Alors Ursula, voilà à quoi sert ce genre de clé. À serrer des boulons et les aligner. C'est un outil simple mais efficace. Merv, c'est super, mais là je veux seulement connaître leur valeur. Celles qui t'intéressent le plus sont les clés à mâchoire. C'est bien ça. Je dirais entre 20 et 25 dollars pièce. Oh. Pour la boîte à forêt, 10 ou 15 dollars. Et la boîte à sandwich, 20 dollars. On ne peut pas faire ça en bas? Donc pour tout ce que je t'ai apporté, 160 dollars? C'est ça. Pour l'amour du ciel. C'est dur, Merv. Oui. Je te fais cadeau des outils et je te donne 160 dollars pour que tu me descendes. On n'y reprendra plus. Ce box est super, alors que j'en voulais même pas. Ils ont voulu me le refourguer, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un paquet de fric. Il y a des distributeurs automatiques. Je vais aller voir mon pote John. J'espère qu'il me dira qu'ils ont de la valeur. Salut John. Oh, et content de te voir. Moi aussi. Voilà les machines que j'ai trouvées dans ce box. Wow, elles sont anciennes. On n'en voit pas souvent. C'est encourageant. Combien elles valent, à ton avis? Je vais être honnête avec toi. Ce sont de vieilles machines mécaniques. Leur valeur est... est nulle. Elles ne valent rien. Mais j'ai une valeur sûre. Boom! C'est quoi? Je les ai trouvés dans la machine. Il y en a un paquet. Tu peux m'aider à les compter et voir combien ça fait? C'est parti. Oh, vise un peu! On dirait une machine à sous. 350 pièces, et c'est pas fini. On en est à la moitié. Même pas. 500. Et ça continue. Ces machines ont un peu de valeur, finalement. Tout à fait. 900 pièces de 25 cents. Je vais arriver à 1000. Facile. Et voilà.
1455. Wow. Ça fait plus de 360 dollars. Pas mal du tout. Le jackpot. C'est un parfum de vacances pour toi? Non, les vacances, c'est être loin de toi. Au moins, j'ai pu laisser mon costume au placard. Sois pas de chaise. Du calme, on est là pour affaire. Je sais pas à quoi sert cette planche, mais elle est légère. T'inquiète, mon ami Paul va nous aider à l'estimer. Ah, le voilà. Il est venu à la nage? Salut les gars. Ça va? Bien, je suis au sec, moi. Paul, on a trouvé ça dans un box. Voyons ça. D'abord, je vais regarder cette planche. C'est pour le kitesurf. Elle est en assez bon état. Pour le kite, on utilise une grande voile de la taille d'un petit parachute qui nous tire dans l'eau. En fait, le parachute nous propulse. C'est notre moteur. Bogie, moteur, action. Allez, Bogie. C'est une voile de 12 mètres. En général, le prix est de 100 dollars le mètre. Elle vaut 1 200 dollars à l'état neuf. Mais elle est usée. Dans cet état, elle vaut combien? Pour l'ensemble, la voile, la barre et les lignes, la planche et le harnais, ça va chercher dans les 1000 dollars. Bien, je prends. Bingo. Quand le commissaire Priseur a refourgué un box à Roy, il l'a eu mauvaise. Mais il a rapidement retrouvé le sourire en découvrant toutes ces pièces tombées du ciel. Paul et Bogart ont fait des vagues, mais un passage à la plage leur a prouvé qu'ils n'allaient pas boire la tasse. Les perles de papa ont amené Ursula à se retrouver nez à nez avec un cafard. Mais une petite leçon sur les outils anciens lui a permis de tirer son épingle du jeu. À l'aide! Quant à Cindy et Rick, ils ont essayé de faire ami-ami avec Patrick, mais ils n'ont pas été convaincus par les box. On peut faire du kite? S'il y avait du vent, je vous donnerais un petit cours, mais j'ai une meilleure idée. Je vais vous apprendre à tenir debout sur une planche. C'est beaucoup plus facile. Je le sens pas. Comme ça? Il faut aller un peu plus loin. Bien. Je me lance. Oh. Ton père m'a payé pour faire ça. Allez, papa. Ne faites pas ça chez vous.